Bon, le match-up va être dur. Hein. Le match-up bot va être dur. Après, on peut les atomiser, mais normalement, on est censé perdre. Bah, du moins, moi, j'ai pas le match-up AD. Et je pense que maintenant, on n'a pas les dégâts pour one-shot Vayne. Et si on n'a pas les dégâts pour one-shot Vayne, c'est. Bah, c'est. On perd le turn, quoi. Oh, dommage. Nice. Force exhaust flash. C'est Jace Jungle. Ah oui, attends, mais je viens de capter là. Ils ont l'air d'être informés. Hein. Non? Bon, les dégâts qu'il a pris. Non. Ah, oh, je vais pas tenter Jace. Go partir, go partir. Ok, good job. Ça va, on a manqué un peu de chance, mais ça passe. Bon, contre Vayne, il faut que je traite très très court. J'ai beau jouer à Love Blade, faut que j'auto-Q, c'est tout. En gros, c'est très très court ou un peu long, mais en fait, faut pas faire des trades genre moyen, tu vois. En gros, à une auto-attaque, je gagne. À 3 auto-attaques, je perds. À 5 auto-attaques, je gagne. Voilà, je sens que je joue à Love Blade. Ok, short trade à une auto-attaque, je gagne. Ah, j'ai pas eu Lulu qui était revenu. Ok, nice, ça, j'ai pas pris de dégâts là-dessus. Pas de punition, tant mieux. Oh non, l'équipe. Allez, tue. Tue. Hop, 400 de gold. Bien joué. Baited. Un outsmarted. Ok, j'ai Kraken. Nice. Là, on est gros. Là, on est très très gros. Il va falloir qu'on joue bien cette game, puisqu'on va avoir besoin de moi pour la gagner. Je suis quasiment à 16 minutes. J'ai 35-16 d'avance sur Vayne. Je suis en 3-0. On a Horn top, donc il va scale, mais il joue contre Gwen. Donc il va se faire autre scale. Mid se prend 30 creep. Attends, ça fait deux games. J'ai des midlaners qui sont pas au max. Hein. On a pris beaucoup de plate bot. En vrai, je suis vraiment big dans la game là. On a Kha'Zix qui joue bot side, c'est parfait. Ils font les golems. Ah non, j'ai pris deux coups de tour. Oh, 325 dégâts, c'est un peu trop. Deuxième coup de tour, c'est vraiment du hint. Hein. Ça nous nique de ouf la wave. Hein. Enfin, la lane, je veux dire. Bon, je sais que Jace est là. J'ai eu quand même envie d'auto pour me heal up, mais... J'aurais bien juste un mêlé pour... J'ai un canon et back et je prends deux épées longues et j'ai l'amélioration de mon Q. Vas-y, push Vayne, je te laisse respirer un petit peu. Alors l'ulti sur lui était du troll, mais sinon c'était bien joué. Il m'a ulti sur Jace et c'est le crack. Hein. Patientez, je suis en route. Chier, j'ai perdu la range. J'ai voulu air in.
sur Vayne. J'ai malheureusement perdu la range. J'essaie de piler un petit peu pour tanker le Q éventuellement de Jace. Oh, le roi, bien joué. Importance. Oh, je la prends. Je vais peut-être mourir de Zoé. Je vaux 1000 gold. Ah oui, tant que ça. C'est quand même 650 gold. Enfin, 610. Ça me paye danseur fantôme, du coup, ce petit grid. Bien joué, bien joué, bien joué. On fait du bon taf, là, Kixate. Je pense que je vais go IE. Après, IE, okay, c'est pas ouf, mais je pense que je vais go IE. Hein. Collector, c'est pas mal, mais c'est du troll un peu, je pense. Dans la méta actuelle, hein, de faire des items l'état flat. Ok, ça c'est vraiment broken, non. Non. Je mettrais pas dans... Je mettrais dans le top 5 AD du patch, mais je mettrais pas dans le top 3 pour l'instant. Après, il y a encore beaucoup de choses qu'on a besoin de... Enfin, que j'ai besoin de tester et tout. Hein. Ils sont 4 mid. Hein. 5 mid avec Gwen, et calmez-vous. Hein. Oh, les mécaniques de Jace. Il a envoyé sa boulette si vite. Allez hop. Des malades hein. Bien joué. Bien joué, on leur monte mon frérot. On ouvre T1 là-dessus. Et Runed pour lock le fufu du E. Alors attends. Prépare-toi, ouvre bien les yeux. Hop. Je suis déjà invisible. Oh 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 oh. Aïe. Oh, j'ai pris mes HP là. Hein. Je fais back. Et ouais, je fais E plutôt que la Whisper parce qu'il n'y a aucun tank en face. Mais bon, IE sur Kaisa, ça me fait un peu mal au cœur, je vous dis la vérité. On va voler le camp de Vress. Tu sens mal. What? C'est parce qu'au au top là? Je vais push mid pour essayer d'ouvrir T2. Oh, le jeu des Kites upside. Gwen va être problématique. Il a Herald. Ok, je stay alors. Je pense pas pouvoir roll quoi qu'il arrive. Hein. Gwen Lulu, ça va être très chiant. Après, il y a que Gwen actuellement en menace. Donc, c'est déjà ça. Moi, j'ai mon spike IE à 19 minutes. Je suis à 10 kills, 16 minutes. Je suis très bien dans la game. J'ai un Drake de feu en plus. Donc, pour le coup, ça augmente la value de l'IE. Plus, c'est une âme de feu. Donc, en vrai, ça rend le choix du stuff un peu moins mauvais. Ton avis sur Varus, ça décaille. Alors je l'ai pas trouvé beaucoup, je pense qu'en Ornith il est ok, je pense qu'en été c'est de la merde actuellement. Je pense que dans la méta en Ornith il est plutôt content. La flash in. Je suis heal up avec le raid. Faut que je fasse gaffe avec Zoé. Hein. Bon, on a eu Vayne. J'ai juste peur de Gwen. Ok, j'ai plus peur de Gwen. Bon, je fais tellement mal par contre avec l'IE. Oh non! BT, je le répète! Non mais gros, enfin... Pardon, hein, mais non, j'étais bêté sur Kaisa. Ne faites jamais ça, vraiment jamais. C'est vraiment très très mauvais. Oh! Je vais reculer. Ah, c'est de la merde. Je pense qu'on va go la Whisper là, du coup, vu qu'on a fait IE. Je ferai peut-être Zonia, dernier item ou GA. Putain, je vois encore 1000 gold. T'avais pas dit que c'était pas fouilleux sur Kessa à cause des dégâts magiques? Exactement. Je pense que je vais build GA, 5-6ème item. Et il me faut un item def en fait, c'est une certitude. J'ai GA, Zonia peut être intéressant. Faut que je regarde un peu ce qui peut être cool et qui sort un peu de l'ordinaire là, comme stuff. Non. Ah, Mo peut être décent. En vrai, Mo peut être bien, je pense. Voilà, ils vont se suicider pour la T3. On va pouvoir pressure. Ils ont compris combien? 400 gold shutdown. KX a eu le Drake, non? Ouais. KX est mort? Ouais, KX est mort.
Enfin, je pense. Je pense qu'on le sauve, je pense. Ah, il s'est fait slip. Ouais, ça tape quand même. Il y a Gwen aussi qui va arriver. À la TP? Ok. Je rentre, on s'en bat les couilles. Hein. Elle accepte la mort. Vayne. Et moi, moi? Ah, mais ma job, ok. J'avais pas vu. Oh, Notus fait vraiment plaisir. Hein. Notus, Horn, ils me font vraiment plaisir. Ils me facilitent tellement la game. C'est un truc de malade. Ok, bien joué. On a réussi à carry la mid lane. Je suis à 18-0 avec un item horn. Je suis tellement fait. Pas 18-0, 18-1, pardon. Ok, nice, clean game. T'as pas ma mort qui vraiment était mauvaise pour le coup. C'était une clean game. On va honor Johnny, enfin support, parce que je trouve qu'on a vraiment carry from the bot lane. En fait, une fois qu'on a commencé à groupe un petit peu, pour le coup, Horn m'a beaucoup facilité les choses. Sur des setups et tout, Kha'Zix aussi. Mais si on n'avait pas gagné la lane. Avec Nautilus, on n'aurait jamais pu être dans cette up là, et heureusement qu'on a fait le taf à deux, quoi. Parce que sinon, c'était game lose. J'ai pris un peu trop de bulles de Zoé aussi à mon goût. Heureusement, je ne suis pas mort dessus. Mais ça m'a ralenti sur mon snowball. Quelques petites erreurs, mais pas de grosses erreurs, donc en vrai, ça va. Plutôt clean. Ouais, je peux mettre un petit pouce bleu à vous abonner, et des bisous à vos YouTube, portez-vous bien.